Walidien. Alors ça roule, mes petits indigénos républicains, syndicalos salafistes. Oui. Ça va ouais, moi j'ai une théorie là. Je pense qu'on est les sujets d'une expérience scientifique qui sert à déterminer combien de temps on peut encaisser les inepties gouvernementales avant de sortir dans la rue en slip avec une tronçonneuse et de sectionner des trucs au hasard en chantant du Vita et Slimane. Hein ah, je déconne jamais. Je chanterai du Vita et Slimane. Ouais, vous avez le bonnet par contre. c'était pour ça, ça qu'il envoyé un mail le mec. aussi il faut se rendre compte que là Macron il en est en train de demander des efforts aux soignants hein, on parle des mêmes qui sont démerdés avec des blouses en sac poubelle des masques de plongée des et qui empilent les patients sur des étagères hein, ce président si quelqu'un se noie à côté de lui il serait capable de dire mais enfin mais sors de l'eau mais qu'est-ce que tu fous arrête de t'agiter comme ça tout le monde veut investir dans le bitcoin Aujourd'hui, il faut tout miser sur les lits de Réa. C'est la nouvelle valeur refuge. Même l'or à côté, c'est du plastique. On nous en a promis 14 000 de lits en mars 2020, 12 000 en août. Et cette semaine, on est descendu à 10 200. Là, on est sur une mise en abîme du métamacronisme. C'est-à-dire qu'ils arrivent à supprimer des lits qu'ils n'ont pas encore créés. Et si on ramène cette pseudo-stratégie à l'échelle de l'individu, c'est comme si tu étais dans ta chambre d'hôpital, le médecin t'annonce le protocole, et t'as un gars qui rentre et qui dit, Bah non, on ne va pas faire ça. Pourquoi Parce que je pas envie. Puis il enlève ton lit, il s'en va. Non, vraiment, la start-up nation disruptive open space, mes cacahuètes sur le djembé là, qui n'arrive même, <laughs> même pas à passer une commande de vaccin sans se faire enfler par les labos, ça va cinq minutes. Hein, Virez-moi tout ça, laissez l'équipe d'affaires conclues diriger le pays. voit Sophie, Sophie d'avant chez Pfizer, elle te ramène un milliard de doses pour 50 balles, c'est réglé. Jeudi prochain, tous les bars, ils sont ouverts. Alors vous allez me dire, on est un des rares États qui offre un vrai soutien économique pendant la crise. Alors oui, euh, enfin, l'argent qu'on a reçu, vous inquiétez pas, ils vont le reprendre. Hein. Ils ne nous ont pas donné l'argent. Ce n'est même pas un prêt, on est plus sur un dépôt. Tu vois, le projet, c'est que euh, l'argent, on le garde pour eux. Tu vois, après le Covid, on aura toujours la sécu, euh, le chômage, la retraite. C'est juste qu'il faudra choisir entre les trois. Mais comme si on pas, ne passait pas assez pour des cons au niveau mondial avec notre gestion sanitaire, il fallait qu'on se rajoute une polémique stérile sur les réunions non mixtes. Hein non, parce qu'il y a des néo-nazis dans l'armée, l'action française qui envahit un conseil régional, un groupuscule d'extrême droite qui attaque une librairie... Personne ne bouge une oreille. Mais alors, trois années qui se réunissent pour faire un Scrabble, ça y est, la République, elle est en l'air. Il croit qu'il se passe quoi dans ces réunions en fait Qu'il fomente un complot de domination mondiale avec la puissance économique de trois chichas et de deux salons de coiffure Et qui développe un Wakanda secret avec des PowerPoint et sur le grand remplacement Bon, on est d'accord, on fait 16 enfants chacun. Si tout se passe bien dans un siècle, s'il y a un blondinet dans le coin, je veux que ce soit un touriste. Pendant ce temps-là, de la non-mixité blanche, il y en a partout, même ici. J'ai compté, il y a 15 chroniqueurs, il y en a deux non-blancs. C'est roukiata et moi. Et encore, je suis métis. Ça fait 1,5 sur 15. C'est-à-dire que si je quitte par Jupiter, vous avez le même ratio que chez Pascal Pro. Et si c'est Rukiata qui part, vous êtes en dessous. <laughs> Donc on a bien compris que la non mixité qui dérange, c'est celle des Noirs et des Arabes au pouvoir d'achat faible et à la capacité d'action quasi nulle. Parce qu'en revanche, quand c'est des milliardaires qataris qui se réunissent en France pour acheter les derniers éléments du patrimoine que Stéphane Bern n'a pas eu le temps de mettre à l'abri, euh, leur réunion c'est pas mix mix non plus. Et on n'entend personne la ramener. Alors parfois il y a des escortes qui passent une tête en fin d'après-midi, mais je crois pas qu'elles soient incluses dans le processus décisionnel. Tout ça pour dire qu'on a perdu toutes ces années où le combat antiraciste a été ignoré, alors qu'il suffisait de se réunir exclusivement entre victimes pour que tout le monde s'y intéresse. <laughs> Moi, Lydia Ah bah, dites donc euh, Faut s'en euh, remettre. Bah oui <laughs> euh, D'une manière, ça, ça me déprime. <laughs> de l'autre côté, j'ai ri. Je, je suis troublée.